Bonsoir à tous et à toutes. Là, en fait, je suis en train de retourner une vidéo que je viens de tourner. Je viens de la tourner avec OBS et donc du coup là, je vais la retourner. Mais donc du coup, j'en profite parce qu'avec OBS, j'avais accès que au full screen du jeu. Là, je vais vous montrer du coup comment on installe le jeu comme ça. Pour ceux qui viennent sur le Discord, j'ajoute au groupe. En gros, dès que je vous aurai ajouté au groupe, vous allez dans les messages épinglés et là, il y a deux messages épinglés. Donc ça, c'est le lien. Et en gros, quand vous irez sur le lien, ça va vous demander un mot de passe. Donc là, on a le mot de passe. Donc ça, c'est le lien. Et ici, on a le mot de passe. Donc voilà, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez le jeu, soit vous installez itch.io, ça va faire comme Play Store, ça va faire les mises à jour, etc. Soit vous galérez et vous installez. En gros, ça va vous installer un point rare. Donc là, ça va être la 4.1, la plus récente. Vous cliquez dessus, hop. Extraire ici ou extraire vert. Enfin, comme d'hab. Et à ne pas oublier, donc aussi, il y a WinRAR pour ceux qui n'ont pas WinRAR. Comme d'hab. Donc, on va aller dans les protos. Je vais aller à la 4.1. Je vais lancer le jeu. Hop, en full screen. Ok. Donc du coup bah on est parti pour une représentation du jeu. Je viens de le faire pendant 18 minutes, c'était un peu long. Je vais ouvrir une deuxième instance, comme ça on va pouvoir tout voir bien. Hop. Donc avec celui-là je vais prendre un. Et avec l'autre instance. Ouais, je vais peut-être ramer un. Et avec l'autre instance. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là, ok. Ah merde. Donc avec cette instance-là, j'ai choisi un serveur. Parce que du coup, je vais devoir tout vous expliquer, tout ce que je venais de vous montrer. Donc voilà. Alors, comme vous avez pu voir dans le menu, il y avait les dangers et les. Je vous montre après. En gros, du coup, on peut pas se tuer entre nous, puisqu'on est tous les deux des légendes. On se pousse juste, puisque en gros, c'est les bugs de collision. Puisque en gros, les frites là que j'envoie, ils ont une collision, et donc du coup, ça pousse. Les joueurs, pareil pour lui, il ne peut pas attaquer. Voilà, ça fait juste des bugs de collision. De toute façon, le bug il va être réglé demain parce qu'en fait, vous voyez le truc rouge là qui apparaît, qui disparaît devant mes yeux. C'est la zone où, en gros, là, je vais vous montrer. Je vais changer le magicien, je vais prendre le chat par exemple. Le chat qui envoie des shurikens. Voilà. Et avec le survivant, je vais pouvoir le manger dès qu'il rentre dans mon truc rouge. Et pareil pour le chat, en fait, dès que j'envoie un shuriken. Ah, là, petit bug. Voilà, dès que ça le touche, et bah ça le fait respawn. Donc voilà, chaque personnage il a ses caractéristiques. Par exemple, le survivant. Je prends le zombie pour vous montrer. En gros, le survivant. Comparé aux zombies, il n'a pas le champ de vision agrandi, donc on voit que comparé, ils ont un champ de vision qui est différent. Le survivant, il attaque moins loin, c'est-à-dire que le carré rouge que vous voyez, bah, il est moins loin que celui du zombie. Le zombie saute plus haut. Vous voyez la différence. En gros, pour la petite histoire, le survivant, il a un point de vitesse en moins et un point de puissance de saut en moins comparé aux zombies. Sauf que la différence, c'est que voilà, le zombie, il est vert et là, il est vert transparent. Et je vous assure que ça a trollé beaucoup de joueurs, le fait qu'il soit vert transparent. Parce que quand on passe la caméra comme ça, on voit pas forcément si par exemple. Je passe là, je vais. Ouais, en fait, c'est cravé de ouf. Mais je vous assure qu'en jouant, on voit pas forcément. Là, si je regarde vite fait comme ça, voilà, je vois pas forcément que là-bas, il y a un joueur. Donc, voilà, je vais prendre le chat. Donc, le chat, sa capacité à lui, c'est qu'il peut sauter très très haut. Et donc, du coup, bah, ça le rend un peu cheaté avec les wall jumps, tout ça. C'est un peu considéré comme le sniper du jeu, étant donné que voilà, c'est le seul ennemi qui peut tirer vraiment de très loin. Voilà. Je rame un peu parce que j'ai deux instances ouvertes, donc du coup, je pense avoir fait le tour, j'en ferme une. Et voilà, donc là, je risque de bugger un peu moins, ça va être nickel, pour vous présenter un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur ce jeu. Premier truc à savoir, c'est comme je vous ai dit, le bloc qu'on voit apparaître là, bah, il est glitché. Dans le sens où je vais vite fait
vérifier. J'espère que Camtasia rec, sinon je fais encore tout ça pour rien. Et je vais avoir assez le seum. Et il s'est mis en bas à droite, c'est con. Voilà. Donc du coup, premier glitch, quand on sprint et qu'on saute, voilà, ça fait un saut de la mort quand on fait ça. Gameplay, mécanique de jeu, c'est le wall jump que tout le monde galère, c'est-à-dire qu'il faut au moins 20 minutes d'adaptation avant de savoir faire ce que je fais. Donc là, ça paraît super simple, mais faire ce que je fais, les joueurs, il y en a quelques-uns qui ont ragé, c'est-à-dire qu'ils ont instant quitté le jeu parce qu'au bout de 10 minutes, ils n'y arrivaient pas. Donc le bug là que je vais encore de faire, il sera réglé demain. Ça fait que 4 jours que le jeu il est en développement, on sort une mise à jour par jour. C'est pour ça qu'on est à la 0.4. Donc voilà. J'ai pris le survivant, mais j'aurais pu prendre n'importe qui. Pour débuter, je vous conseille de prendre le zombie. Parce qu'il saute relativement haut, il est un peu plus rapide. Il a un champ de vision un peu plus grand. Enfin, vraiment, il est un peu cool. Voilà, je vais faire le parcours. Donc normalement, à cet endroit-là, il faut sauter comme ça. Voilà, et galérer. Sauf que moi, comme je suis pas un galérien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le glitch que je vous ai montré tout à l'heure qui a pas marché là. Voilà, là, s'il a marché, comme ça, hop, on galère pas. Donc voilà, j'ai pas remontré toutes les cachettes, puisque en gros, j'en montrais tout à l'heure, j'en ai montré sur l'autre vidéo, mais flemme de refaire une vidéo de 18 minutes pour te montrer, mais voilà, là, il y a la plateforme rouge. Et en gros, quand on est derrière, voilà, on voit tout ce qui se passe. En fait, les joueurs, quand ils sont. Ici, là vous voyez, il y a un grand truc rouge et donc du coup, je suis tombé. Voilà. Donc, du coup, les joueurs ils le voient pas. Voilà, c'est la cachette numéro 1. La cachette numéro 2, c'est qu'en gros, là si je tombe sur cette plateforme rouge, je suis re-TP au spawn. En gros, j'ai fait un endroit et donc en gros, on peut aller ici. Voilà. Ah merde. Bah, vous voyez que là j'ai touché la plateforme rouge, je suis pas allé au bon endroit. Et en gros, on peut aller à l'endroit que je vous ai montré. Une petite cachette aussi. Après, j'ai rajouté une petite cachette juste ici, voilà, qui est cheatée aussi. Après, qu'est-ce que. Ah, j'ai peut-être un truc que je ne vous ai pas montré dans l'autre vidéo. De toute façon, l'autre vidéo ça sert à rien de la regarder. Et bug en gros, je sais pas, c'est OBS. Je l'ai mis en 60 FPS et il veut pas. J'espère que Camtasia va pas me faire la même dinguerie puisque j'aurai le seum. Déjà que je suis pas super super fluide. Camtasia, mais bon, c'est pas grave. Là, je fais les glitches parce qu'il sera retiré demain, donc du coup, j'en profite un peu. Hein. Oh non, je suis tombé. Ah, ok, ouais, je suis tombé. En même temps, j'arrive pas à être fluide, c'est un peu. D'habitude, je suis très, 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 très chaud. Mais je manque un peu de fluidité. Ah, là. C'est un glitch qui marche pas tout le temps. Vous voyez que par rapport à la première vidéo, j'ai carrément agrandi la map. Parce que la map était trop petite et on pouvait pas s'amuser comme on voulait. Là, j'ai encore fail, c'est génial. On va passer toute la soirée à fail ce jump. Boum. Ah, là, on a réussi. Voilà. Voilà. Le bug là que je spam, il sera retiré demain. Hein. Je tiens à le répéter. C'est en gros. Vous allez pas connaître ce glitch qui est très très cheaté hein, puisqu'il permet de finir le parcours assez vite. Mais voilà. Bon, le wall jump là, comme je disais tout à l'heure, ça paraît simple. Mais pour tous ceux qui veulent essayer et qui vont venir essayer, je vous préviens, vous allez rager. Hein, parce que vraiment compliqué. Voilà. Ouais, je finis le parcours. J'étais certes pas legit puisque j'ai pris le raccourci des cubes. Normalement, on peut pas le prendre puisque sans glitch avec ça là qui sera retiré demain, bah ça aura pas marché. Mais sinon, voilà. On a fini. Du coup, ce qui a été rajouté aussi, c'est les nuages. Les nouveaux héros, ça va avec. Donc lequel j'ai pas montré, je les ai tous montrés. Le zombie, pareil, il fait le glitch. Glitch comme ça là, en plus il marche mieux le zombie que le survivant, puisque comme je l'ai dit, la hitbox pour frapper elle est un peu plus longue, et ça fait que du coup, bah, boum, on va vraiment très très haut. J'ai rajouté pas mal de plateformes pour qu'on puisse faire un peu n'importe quoi, par exemple, comme nous sur le serveur, comme il n'y a pas encore 4 jours,
n'est pas encore très intéressant. On s'amuse à faire des chats, c'est-à-dire que par exemple, une personne prend un zombie, trois se mettent en survivant et vont se cacher. Et à chaque fois qu'un zombie tue quelqu'un, bah, celui qui se fait tuer, il se transforme en zombie. Enfin, il se met en. Il fait échappe, il appuie sur. Il respawn en zombie. Et il doit essayer de bouffer les autres. C'est un genre de chasse à l'homme. Donc voilà. Et donc du coup, j'ai rajouté toutes ces plateformes-là. Comme ça, bah, si on sait poursuivre, on peut tenter de wall jump, voilà. Tenter d'esquiver la mort. Comme ça. On meurt pas. Alors qu'avant, bah, si on tombait du parcours, le zombie, comme il est un peu plus rapide que le survivant, bah il nous rattrapait et c'était fini. Alors que maintenant, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Ah oui, après il faudrait que je vous montre un. Voilà, donc on voit que c'est vraiment abusé. Surtout que là, quand on fait des chats, à chaque fois moi je me mets là, on me poursuit, dès qu'on monte, bah hop, je fais ça, et personne comprend ce que je fais, et tout le monde me dit que je cheat, mais en fait je cheat pas, et après je leur montre, et ils font, waouh, c'est trop cheaté. Et après on me dit, ouais, ton jeu est bugué, et après je fais, ouais, c'est normal, ça fait 4 jours que je travaille dessus. Donc du coup, bah voilà. Qu'est-ce que je voulais montrer? Oui, c'était le bug avec le magicien. Qui sera changé, je l'ai montré dans l'autre vidéo, mais du coup j'oublie les trucs. En gros, le magicien là, qui envoie des frites, et ben en gros, son pouvoir c'est un dash en arrière. Sauf que le dash en arrière pour l'instant il est trop cheaté. En gros, si tu veux, il y aura un cooldown de 10 secondes, et en gros, il fera un petit dash en arrière, mais il fera pas un dash, il fera une téléportation puisque c'est un magicien. Et en gros, bah, il se TP en arrière, et comme ça il peut back s'il y a un zombie qui est trop proche de lui. Donc voilà. Le magicien était vraiment cheaté au début. On m'a tous dit de baisser sa cadence de tir. Sauf que après, quand j'ai commencé à sortir le chat, etc., le magicien il a commencé à puer à la merde et tout le monde me dit, ah ouais, en fait le magicien il est pas ouf. Et après on me dit soit ouais il est pas ouf, soit des fois on me dit ouais ah tu la nerfs le magicien tout ça. Je dis non, je l'ai pas nerf. C'est juste que bah il y a d'autres légendes et toutes les légendes ils sont aussi cheatés. Donc voilà, bon, on a encore fait le tour hein, de ce jeu vraiment palpitant, vraiment très très énorme. Donc voilà, moi je vous attends sur le serveur, le Discord est dans la description. Ça sert à rien d'aller regarder l'autre vidéo puisqu'il y a bug, de toute façon je vais la supprimer. Et puis voilà, hein, on se revoit plus tard. Donc allez, voilà, fermez le rec et puis salut.